Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Paris en compagnie de Loïc Berry alias Heroic sur YouTube. Salut, moi c'est Loïc, j'ai 23 ans, je fais du street workout depuis 2 ans et j'ai une chaîne YouTube du coup sur laquelle je partage mon évolution en street workout mais aussi de la motivation et de la vision. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Loïc? Là je suis étudiant en cinéma et audiovisuel et j'aimerais pouvoir vivre dans ce monde là. Et donc tu as dit que tu faisais du street depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça. Quelle figure tu as actuellement? Actuellement, j'ai le back lever, l'elbow lever sur un bras, le handstand, le L-sit, okay. Le muscle up. Ok. Et là, j'entraîne mon one arm handstand, mon front lever, ma planche. Impeccable. J'ai de gros objectifs dans ce sport. Pour être plus sérieux, les gars, on a filmé quelques plans. On a fait des handstands, du front lever, du elbow lever avec la petite vue sur la tour Eiffel derrière. Et maintenant, je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, j'ai peut-être une proposition. Vu que j'ai comme objectif d'apprendre la planche et que ce monsieur-là fait très bien les planches, pourquoi pas donner quelques petits tips sur la planche, c'est ça? Exactement. Pourquoi pas, on filme ça tout de suite. C'est parti. Du coup, les gars, on a trouvé un petit spot sous un pont vu sur la Seine. On va vous faire des petits plans donc de la planche de Loïc, de son avancée sur la planche. Il l'a pas totalement en straddle, etc. Il est vraiment en cours d'acquisition. Donc on va vous montrer de la tuck advance. Et moi, mon objectif aujourd'hui, ça va être de lui donner un maximum de conseils et de le corriger et de vous montrer moi ce que je sais faire aussi. C'est parti. Vas-y Loïc, envoie ta tuck. Hop, génial. Advance. Allez, monte pas les fesses, rase le sol, rase le sol. Rase le sol encore, ouvre encore. Moi je vous conseille largeur épaule, j'aime bien prendre légèrement plus écarté que l'épaule. Le regard un mètre devant à peu près comme les ponts. Commencez la tuck comme ceci, vous ouvrez en rasant le sol, comme ça, sans lever les fesses, vraiment en rasant le sol. Tu vois, j'ai rasé le sol vraiment et t'as vu que j'ai pas fait de rétraction, j'ai bien fait la protraction et une rétroversion du bassin pour vraiment raser le sol et avoir une forme optimum, tandis qu'il y a des personnes qui font une rétroversion, du coup lèvent les fesses et du coup la forme de l'advanced tuck est beaucoup moins belle. Du coup, on se retrouve par une petite vue sur la tour Eiffel. Loïc va faire son équilibre jambes écartées, il va essayer sa négative et moi je vais essayer de le corriger au maximum. Je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel dans le monde du street workout, je me considère comme amateur, je me considère comme passionné et j'adore transmettre mes conseils, donc c'est ce que je fais. Et Loïc était bien content d'avoir énormément de conseils et justement de se faire aider sur une figure assez difficile dans le monde du street workout. J'ai pas filmé de outro à Paris parce que j'avais plus de batterie et en plus de ça je commençais à être malade, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, pour finir la vidéo, je vous laisse sur quelques photos qu'a pris Loïc et franchement je les trouve incroyables. Merci encore à lui et c'était une super rencontre. A plus tard pour une prochaine vidéo. Peace!